où on a mal joué le coup, c'est dans les contres. On s'est fait prendre 6 ou 7 fois sur des hors-jeux alors qu'on a 4 autres au milieu et la balle va arriver. Ils sont battus et on n'a qu'à donner la bonne balle et au court hors-jeu. On s'est fait prendre au moins 7 ou 8 fois comme ça. Je ne dis pas qu'on doit partir 8 fois, mais on va partir 2 ou 3 fois, on va peut-être aller faire 0-2 et le match va être beaucoup plus facile pour nous. Ils vont sortir et on va jouer le contre. Avec la vitesse qu'on avait quand même devant, avec le petit pneu, Lagrari et Vincent Rare, on aurait pu revendiquer et faire 0-2, mais on a chaque fois mal joué. Donc on n'a pas bien joué une seule fois. Ça, c'est là qu'on perd le match. Donc, et puis bon, ils marquent leur deuxième goal un petit peu dans les arrêts de jeu. Bon, je ne vais pas dire chanceusement, parce qu'ils ont quand même essayé de faire le match, ils ont joué football, Il nous a manqué le vrai de chance. Je pense qu'ils ont eu la chance du champion aujourd'hui, hein, je ne peux pas dire autre chose. Quand on a dû évoluer sur une phase de jeu difficile, mais elle était la même pour les deux équipes. Maintenant, c'est sûr que manquer pour une équipe qui doit faire le jeu comme nous, hein, on devait le faire, c'était plus difficile. On a très mal commencé, premier quart d'heure très mauvais à cause de nous, parce qu'on était trop nerveux, notamment sur l'arbitre, etc. Donc, et à partir du moment où on a commencé à poser le jeu, à se calmer, on a fait un bon deuxième quart d'heure, un bon troisième quart d'heure. Et j'ai mis en garde à la mi-temps sur le fait qu'on allait avoir des difficultés défensives, parce que on allait pousser, et qu'il fallait se rester calme derrière. Et après 5 minutes, on marque contre notre camp, donc... et là, évidemment, la situation devenait encore beaucoup plus périlleuse, c'est difficile, parce qu'il fallait non pas mettre un, mais en mettre deux. Mais je suis content pour mes joueurs, parce qu'on a travaillé sérieusement la semaine passée, dimanche passé, on a fait un match amical contre une équipe de 10e provinciale. C'est pas toujours amusant. On s'est entraîné mardi, dans des conditions dantesques. Jeudi, ils ont fait un super entraînement, ils ont la récompense aujourd'hui, donc je suis super content pour eux aujourd'hui. On est en tête maintenant, oui, c'est bien, mais il faut être en tête au mois d'avril. Donc maintenant, j'ai dit, on prend match par match. Je voulais au moins 4 sur 6, on a déjà 3 sur 6. On joue Verlaine la semaine prochaine chez nous. Un derby pour nous, c'est un derby. Donc j'espère bien qu'on va engranger encore 3 points supplémentaires. Voilà.